What up tout le monde, Zébulon Vézina dans votre appareil et aujourd'hui on est debout très très tôt, il est présentement 4h du matin. C'est une journée bien spéciale parce qu'on va rendre visite à un ami à moi qui a la boulangerie Merci la vie à Piémont. Ça va être très intéressant et en plus ça va m'inspirer pour la croissance de mon projet à moi. Donc très 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 hâte. Allons-y, on vous montre ça. Toc toc, allô? Salut, Albert, es-tu là? Il est pas encore arrivé? Non? Non, Albert arrive par 8h. 8h? Ah, oh, le coquin, ok, parfait. C'était ben... pas prévu? Non, mais ben moi j'avais dit que j'arrivais vers 16h là, mais... Je vais l'appeler. Ouais. On va lui envoyer un message. Ouais, ok, super. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, me voici, me voilà, les mains à la pâte. J'arrive ce matin très tôt. Ben, imaginez-vous donc qu'Albert, le propriétaire, il a oublié que je m'en venais. Donc, au lieu de rien faire, je me suis joint à l'équipe. Il y a Rodo à côté de moi qui m'a montré quoi faire. Puis là, on est sur le façonnage et le portionnage des pains. Je me suis mis la main à la pâte pour la production d'aujourd'hui. Let's go! J'ai mis la main à la pâte. La main à la pâte, c'est sûr de tout ça. J'en ai déjà parlé, c'est Zébulon, juste pour vous connaissez. Salut, salut tout le monde. Zébulon est pâtissier à Montréal, c'est lui qui fait des pâtissiers vegan, qui sont meilleurs, plus faciles à absorber que les pâtissiers de... Ouais. C'est vraiment cool en fait ce qu'il fait. Nous, on y va quand on passe en ville, on essaie d'aller voir, puis c'est vraiment intéressant, vraiment très très cool. Merci Albert. Est-ce que t'as un mot, fais-tu dire? Oh, t'as pas, ouais, j'étais pas prêt. Ben, j'ai aidé pour le façonnage, les pains, j'en suis très fier. Merci de m'avoir permis. Check-tout. Bonne journée, guys! Essentiellement, la niche que j'aimais le plus en coaching relationnel, c'était la famille, le couple, les enfants. Ça s'appelait Merci la vie conférence, oh, Merci la vie chronique radio, okay. Merci la vie, c'était ça. Le nom vient de là. Exactement. Puis là, ben, j'ai aidé Albert à faire Boulanger Boostify, son bouquin. Et ça a tourné qu'Albert faisait pas mal de pain dans la maison, bien de la farine dans la maison. Puis tranquillement, il délaissait certains de ses projets parce que la passion du pain était là, tu sais. Fait qu'on a ouvert Merci la vie dans un petit 730 pieds carrés. Puis moi, j'avais aucune notion en administration, gestion de commerce ou d'entrepreneuriat, aucune. Oh my God! Fait que je me suis fait aider. Puis c'est ma sœur qui a commencé tout doucement, elle, qui avait beaucoup de notions en comptabilité, qui a commencé à m'expliquer c'est quoi un bilan, c'est quoi des immobilisations. Moi, je voulais que ça soit tranquille et petit, mais finalement, ça l'a quand même rapidement attiré... Les médias, ils ont été vraiment très wow avec nous, très généreux, très humains. Ils sont venus nous visiter. Mais au début, j'étais comme, qu'est-ce qu'ils font ici? Je voulais pas que ça décolle autant, mais finalement, la vie, elle a un plan en haut. Hein. Tu sais, tu mets ton intention dans quelque chose, puis après, on dirait qu'il faut que tu te détaches du résultat et tu fais confiance. Fait que c'est ça l'histoire derrière, tu sais. Puis... Pour ça, je suis ici un peu aussi parce que
moi, je veux grandir, je veux déménager. J'étais allé visiter des locaux commerciaux la semaine passée sur Saint-Denis. Puis là, je suis dans 1000 pieds carrés, j'en vise un, 3000 pieds carrés. Mm-hmm. Dans mon plan que j'ai monté, c'est 1 million de chiffre d'affaires qu'il faudrait que je fasse pour être capable d'avoir, de payer mes coûts fixes. Je veux lancer en même temps comme une école de pâtisserie dans ce local-là. Okay. Fait qu'il y a 3000 pieds carrés, que peut-être une partie qui est vraiment comme salle à manger ici. Ouais. Et le soir, la salle à manger, elle tombe en salle de cours pour les amateurs. J'évalue tout le temps. Moi, Joanne, je suis capable d'aller vers plus loin, plus haut, plus gros. Le couple, es-tu prêt? Les enfants, sont-tu prêts? Le team, es-tu prêt? Puis le compte de banque, es-tu prêt? La peur est supposée d'être ton allié. On n'est pas obligé de la subir. Puis... Mais là, avec toute la pression qu'on a de la pénurie de main-d'œuvre, la récession, la pénurie de main-d'œuvre, bien, tout le monde est en train de tomber dans la peur. Puis la peur, c'est une énergie qui paralyse. Ça revient à toi, ton capital humain, toi, là, Zébulon, là. Ça te dit quoi en dedans? Ça dit de foncer? Bien, pour vrai, oui, là. J'ai vraiment envie. T'es en montée, là. T'es nominé au Laurier. Ça va bien. Puis build it and they will come. Okay. Les clients, puis la main-d'œuvre. Nous, on était ni restaurateur, ni un ni l'autre, ni boulanger, ni un ni l'autre, ni pâtissier. T'as tout le côté humain à développer en même temps que tu développes ton entreprise. C'est ça qui est beau. Ça, des fois, je trouve ça dur, mais des fois, de l'entendre de ta voix, de ton expérience, je suis comme, c'est pas si dur que ça. En fait, c'est beau, au contraire. Mm-hmm. C'est naturel. Oui. Fait que là, tout ça qu'on voit avec les petites pattes pleines, eux autres, ils viennent d'arriver, coloniser, puis là, ils vont déposer. En ce moment, ils prennent le pollen dans les arbres, surtout. Là, on a beaucoup de pollen de saule. Tu sais, c'est trop hot. Ouais. L'essence, tu sais, c'est pas juste rendu l'argent, c'est complètement tout le symbole que ça apporte. Ça, c'est trippant. Vraiment, vraiment. Ah, trop cool. Non, c'est magnifique, les abeilles. C'est super, je suis content d'être venu, là. C'est vraiment un plaisir. Merci. C'est la ville, là. C'est le fun. Ouais, c'est ça quand on va chez vous. Sam et moi, quand on a commencé, là, quand Valentin est parti, là, on capotait. Écoute, je pense qu'on a acheté 2000 croissants en 3 semaines. C'était pas assez carré. Ça s'en allait dans toutes les sens, man. Puis c'est là qu'on a catché qu'à un moment donné, à quel point, si ton pâton est replié, puis il est comme ça. Ça devient exponentiel. C'est vraiment, fait que c'est comme des millimètres de précision, parce que quand t'allonges ça sur 16 points, c'est pas All right, mon Albert. Ça, c'est vraiment typique italien. On a mis notre touche à nous avec la gastrique, mais je veux dire, c'est une pizza prosciutto. Tout le long de l'hiver, on a fait des gastriques avec du miel, du citron, purée de pêche, fait que ça nous amène le petit acidulé, le petit sucré. Comme un petit vinaigre balsamique, mais plus fruit, plus 100% simple, homemade. Les poires que t'as vues tantôt, c'est ça. Comme on est sur la fin des pêches, on est en train de se monter avec des poires. Tu sais, oui, on a le pain. Mais il y a tellement de travail qui se fait avec la profondeur et l'intention dans les autres départements que de plus en plus, mais boulangerie, je l'enlève partout. Moi, je laisse vraiment merci la vie parce qu'on fait vraiment culinaire. Un travail, c'est ça. Mais pourquoi c'est important pour toi d'avoir autant un menu qui fait voyager? J'ai voyagé beaucoup, j'ai été chanceux d'avoir voyagé vraiment beaucoup, beaucoup quand j'étais DA. J'ai travaillé à peu près partout. À force de voyager, j'ai catché que peu importe ta religion, ta vision politique, il y a deux choses qui arrivent à réunir les êtres humains en tout temps dans du positivisme. La bouffe, la musique. La musique, OK. La bouffe, la musique, pour moi, c'est comme la pierre angulaire, tu sais, de rassembler des gens. La connexion. Puis de développer une appréciation puis une acceptation des autres plus facilement. Si j'avais à te dire, pour toi, le succès de l'entrepreneuriat aujourd'hui, en 3 mots, d'une business florissante, qu'est-ce que tu dirais qui rejoint vraiment? D'avoir une bonne conjointe en arrière qui tient le bateau. OK, le secret, c'est la conjointe. Ben, c'est facile d'être l'artiste. Le problème, c'est qu'un artiste qui gère pas, la gestion, ça reste la pierre angulaire de tous les business aujourd'hui. Puis c'est ça qui est difficile, la gestion. Mais quand tu es artiste, tu n'es souvent pas un très gestionnaire. Fait que d'avoir une conjointe vraiment solide, là, c'est quand même la présidente de la place. Puis c'est elle qui tient ça. Donc ça, j'y donne. C'est ça le secret. Fait que c'est ça le secret. Voulez-vous une bonne conjointe ou un bon conjoint? Quelqu'un qui,
qui va dire non, aujourd'hui, tu n'achètes pas ça, tu l'achèteras la semaine prochaine. OK, ben, écoute, grosse accolade. Merci. Ça faisait longtemps, je suis content. Oh my God, je suis très content. Tu reviens quand tu veux. Encore plus. Cool. Bien passé une journée encore en bas. Encore plus content vraiment d'avoir eu la chance de voir le décor. Merci la vie. C'est le nom de la destination qu'on a visitée aujourd'hui. Merci la vie. Et c'est définitivement ce que je retiens parce que moi, je suis allé visiter ces gens-là pour bien franchement avoir un peu de validation par rapport à mon projet de croissance à moi. Et j'avais envie de suivre les conseils et la route d'entrepreneurs qui ont passé avant moi. Et après avoir passé la journée avec ces personnes-là incroyables, autant les deux propriétaires que tous les membres d'équipe, c'est ce que je retiens. Merci la vie. Parce qu'au bout de la ligne, même si c'est un plan, même si c'est un projet, la vie, ça va jamais comme tu veux. Mais quand tu restes reconnaissant de la vie et des opportunités qui s'offrent devant toi, ben c'est là que tu peux dire merci la vie. Parce qu'au bout de la ligne, ça se passe toujours très bien quand tu y crois puis quand tu vas au bout des choses. Donc voilà, merci la vie et merci à vous autres. Et d'ailleurs, si vous aimez mon vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et même cliquer là, sur la petite cloche. Là, comme ça, vous allez avoir une notification pour mon prochain vidéo. Ouais.